Désolé, mes chers compatriotes marocains, ce n'est pas de mon habitude de me répéter dans mes vidéos, mais là, c'est plus fort que de moi. J'ai pas pu croire mes yeux, ou plutôt mes oreilles, quand le wali de la ville de Wahran ait pu dire une grossièreté si immense que. Justement, je suis resté abasourdi quand il a dit devant Karim Benzema que la vie de Wahran avait plus de 100 000 ans. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai faite à chaud, j'ai pas du tout réfléchi avant de la faire. La première chose qui m'a semblé, qui était la plus vieille dans l'histoire de l'humanité, c'était les pyramides. C'était la première chose qui m'est tombée à l'esprit. Mais là, à froid, une fois que je suis rentré à la maison, je me suis dit, tiens, écoute. Essayer de réfléchir, de voir s'il y a quelque chose qui est plus vieux que les pyramides. Alors, puisqu'on est dans le domaine du foot, je me suis rappelé l'ancien président par intérim de la Fédération de football du pays de là-bas. Vous savez, le mec qui avait Chakouka, Gdagd, on dirait qu'il sortait des cavernes. Et justement, il ressemblait à l'homme des Cro-Magnon, à l'homme de Cro-Magnon. Il paraît que justement, c'est un ancien moujahide. Alors, il paraît que même les gens qui jouent au foot sont des anciens moujahides. On a atteint le poste de président par intérim de la Fédération de football du pays de là-bas. On m'a écrit le tocouche, les chouhades, les moujahides, tout. Alors, ce gars-là, il m'a fait rappeler. À l'homme de Cro-Magnon. Ah, si vous voulez, vous pouvez aller dans Google et taper le président par intérim de la Fédération de football du pays de là-bas, et vous verrez. Il ressemble à l'homme de Cro-Magnon. Et là, du coup, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir Google et je vais voir quel âge a l'homme de Cro-Magnon. Et là, j'ai trouvé que. Une estimation, c'est-à-dire que. Même l'homme de Cro-Magnon avec le carbone 14 pour qu'on puisse savoir son âge et tout, ils estiment entre 35 000 et 45 000 ans. L'homme de Cro-Magnon, le carbone 14, a eu une approximation entre 35 000 et 45 000 ans. Ou le pays de là-bas, il estime la ville de. Mais s'il estime, ils sont carrément certains que la ville de Wahran à plus de 100 000 ans. 100 000. C'est-à-dire deux fois et des poussières l'âge de l'homme de Cro-Magnon. Faut le faire quand même, hein. C'est poussé, non? Après, je me suis dit, non, mais écoute, après tout, si, si. Je pense que ils sont dans la même période que l'homme de Cro-Magnon. Parce que justement, il n'y a que des gars qui sont de la même tribu que l'homme de Cro-Magnon pour faire avec la pagaille qu'ils ont commis dans le fameux match de championnat du pays de là-bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous savez, la fameuse équipe qui n'a pas voulu jouer avec Berkane. Avec l'histoire de la carte, mais la carte. Et bien, je commence à comprendre. Comme il s'agit de l'époque de l'homme de Cro-Magnon, de jouer avec la carte, il faut que je tienne. Heureusement que nos baquins mais au moins ils vont toujours par à retardement le temps de réfléchir. Au moins ils font grave. Bledhom, flasema dielhom, bin bledhom, wahel bledhom, trois dielhom. Ah binatum darbin. Au moins nos doigts déjà. Il n'y a qu'une tribu de l'homme de Cro-Magnon qui peut faire avec le saccage qui lui fleuve. Le terrain dit Alhamdulillah, Berkane ma labtch tma. Heureusement qu'ils ont refusé les maillots. Heureusement qu'ils ont été choqués par la carte. Marc, l'homme de Cro-Magnon, quand il voit un sticker, il devient fou. Il devient fou, il se demande ce que c'est que ce truc-là. Il n'a jamais vu un sticker de sa vie. Eh ben oui, l'homme de Cro-Magnon, l'homme des cavernes. Ouais. Un autocollant. Imaginez-vous un autocollant dans une grotte à l'homme de Cro-Magnon. Il va devenir fou. Ben, c'est ce qui s'est passé dans le stade de la capitale de là-bas.
En fait, on devrait les remercier. Par contre, Karim Benzema, écoute, le conseil que je te donne, c'est que la prochaine fois, quand tu atterriras dans le pays de là-bas, au lieu de mettre ton brassard de capitaine et d'écrire dans le brassard genre peace and love, ou bien respect, ou bien pas de racisme, un truc dans ce goût-là, mais plutôt la carte du Maroc là-bas, la carte de l'Empire chérifien. Comme ça, tu trouveras une bonne excuse pour ne pas entendre ce genre de sornette. Allez, Karim, je te laisse. Franchement, je te souhaite un bon retour. Quant à vous, mes chers compatriotes marocains, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.